Salut à tous pour ce premier épisode sur Hitman 2 qui vient de sortir aujourd'hui le 13 novembre officiellement. Et ben on va tout de suite y aller tout simplement. Allez, on accepte. Language. Alors je pense que le... On va mettre français là. Le jeu a pas été traduit, sauf erreur. Je vois pas français. Ah oui. Donc voilà, il n'a pas été traduit. Le texte, les sous-titres sont en français. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Mm-hmm. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. D'accord, d'accord. Nous voilà. Oh la merde, c'était pas trop ça, hein. Pas très joli, je trouve. Alors, bon, on nous dit rien. Bon, on va avancer vers la location. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Ok, fouillez la maison pour trouver des renseignements sur le client de l'ombre. Donc apparemment, on ne doit pas faire d'assassinat là. On va aller un peu plus vite. Alors, est-ce que je dois rester comme ça? Alors, instinct, maintenez contrôle pour utiliser votre instinct. Ok, donc c'est évidemment le tutoriel, hein.
détruire une caméra. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Ouais, je revois une autre de ces caméras. Merde. Ok. Faut que je fasse un peu le tour de la... Qu'est-ce que c'est que ça? On va recharger. Oup, 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 j'aime pas ce truc. Est-ce qu'on me voit? J'ai pas vu de caméra. Là c'est un peu craignos hein. Là il y en a une. On va se mettre dans les fourrages. Quand même s'approcher un peu hein. D'accord. Je pense que je sais pas par où on va ressortir, donc je fais quand même gaffe. On n'a pas l'air d'en avoir une autre. Je pense qu'on entre ici. Le crochet manquant, il vous manque l'objet nécessaire pour effectuer cette action. Pied de biche, bon, mesdames et messieurs, ça veut pas comme ça. C'est étrange. Est-ce qu'on peut sauter là? Non. Pas l'air d'avoir de caméra. Oui, là, il y en a une. Dans les fourrages, enfin je fais plus ça fourrage, mais enfin les herbes quoi. Hop, hop, hop. Alors il faut chercher une entrée. Tournevis qui est manquant évidemment. Bah je suis bien équipé moi. Il vient avec la moitié de ses affaires le mec. Bon. Ouais, ah, c'est étrange.
ont bien fait le tour de la maison. Ah, faut peut-être chercher dans... dans les poubelles, on sait jamais. Ah. You should be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area 47? Ok, on va aller chercher ça. Ah, c'est ouvert de l'autre côté. C'est ouvert là? Ah oui. Contrôle. Ok. Comme par hasard, il y a les... C'est un tournevis là, c'est un peu bizarre. Admettez-le avec moi. Ouais, tournevis, ok. Bon, maintenant que je suis dedans, faire profil bas. Oui. H pour ranger un objet. Alors, tournevis. Tournevis, elle est équipée. Bon. Ça avait l'air de marcher pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça? Ouais, je me gourde de touche, hein, ça faut le faire. Ok. Bon, j'ai le tournevis en main. Où est-ce qu'on me demandait le tournevis? Ah, je crois que c'était vers le garage. Bon, il n'y a plus de caméra, on peut y aller comme ça. Je pense en tout cas. Je découvre, hein, je suis pas allé voir des avant-premières ou des choses comme ça, donc... c'est un tantinet laborieux, mais... On peut faire ça. Ok, parfait. Maintenant on peut ouvrir le garage normalement. Oula. Bodies. Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Oh, poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Hmm. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Non, ils ont l'air bien morts, en effet. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une batterie de voiture. Et on va prendre. Qu'est-ce que j'ai ici? Oula, j'entendais pas. Batterie de voiture. Si ça se passe mal. On sait jamais. Planque. Autre
planque, mais peut-être pour mettre un corps. Non, on est là pour un cambriolage, pas un meurtre. Pas faire avec ça. On est bien si ça peut servir à quelque chose. Morora, c'est pour des meurtres. C'est quoi ça? L'objectif c'est bien fouiller la maison pour trouver des renseignements sur le client de l'ombre. Effectuer cette action en étant visible vous attirera des ennuis. Je suis pas là pour le tuer, hein. Une diversion peut-être là. Ciseaux, ça, je sens que ça va nous être utile. Est-ce qu'il regarde la télé? Bon, évidemment, c'est tout en haut. On prend le flingue au cas où. That computer. See if you can't access it. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Ah, thought so. This should be interesting. Puis là, on a quoi? Un buste? Oh, donc je peux prendre des trucs, je prends, hein. Fermé derrière nous. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une caméra. Alors. Est-ce qu'on y va discretos? L'arme de guerre. Il y a des trucs qui me font envie là. Non, mais j'ai déjà un flingue. Silencieux. Clé de sécurité. For the office computer, no doubt. Puis on peut descendre, je regarde juste, bon, on verra bien. Ferme-toi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Je peux plus fermer. Pas ça, bon. Je sens que le type ou la miss, je crois que c'est un type, il va réapparaître pile quand il faudra pas. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Eh ben, ça va être simple. I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. Oh, I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Alors là, comment je vais procéder? Ça peut être une vraie boucherie. Ah putain, il y a des mecs partout. Est-ce que je peux me barrer déjà? Oh là là, les pulsations. Les pulsations montent. Ça va pas nous servir, allez. Oh putain. So, you gonna tell me who it was we just kidnapped? House guests of the PM. The wife and two daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. The online retailer? Uh-huh. Donovan is back in London, working. He should receive the pictures as we speak. Comment je vais procéder? Donovan's boss, Dynasty CEO Rupert Pierce, is... Faut que je me trouve une porte de sortie d'abord. But we can't get near him, so I decided to, well, do a bit of outsourcing. Oh! Could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Honey? Sugar. No problemo. Ah, ils arrivent. Putain. Who I am is not... Il y en a deux, ça fait chier. You have seen the pictures, yes? Good. I will tell you exactly what to do. Do it swiftly and without... Ah non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon. Over there. Push him out. I'm getting my ass whooped. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Oh, damn. Well done, 47. Get off the property. I'm gonna take you down. Bon. En fait, les fusils d'assaut auraient été très utiles. Oh. C'est pas simple, hein, putain, c'est pas simple. C'était là. Il y a beaucoup de monde dans cette baraque. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils sont deux. Alors comment
je vais procéder. Non mais arrête, viens. Putain. Houseguests of the PM. The wife and two daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. The online retailer? Alors, est-ce que j'essaye de la sniper là, puis de foutre le camp le plus vite possible? Donovan's boss, Dynasty CEO Rupert Pierce, is a top Providence operative. But we can't get near him, so I decided to, well, do a bit of outsourcing. Oh, could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Yeah. Honey? Honey. No problema. Mr. Donovan. Who I am is not important. You have some pictures, yes? Good. I will tell you exactly. Guys, they're here! They made us! Target engaged in the fight. Consider that a warning. Qu'est-ce qu'il fait? Miséricorde. Ils sont beaucoup au deuxième étage là, ça fait chier. Comment faire ça? Jared, Terry, it's all clear. Copy that. Do a sweep of the upstairs way at it. I knew you were gonna say that. Pour une première mission, c'est pas simple. Hein. On va essayer l'accord de piano. So, you gonna tell me who it was we just kidnapped? Houseguests of the PM. The wife and two daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. The online retailer? Donovan is back in London, working. He should receive the pictures as we speak. Ah, blackmail. Donovan's boss, Dynasty CEO Rupert Pierce... Je suis pas sûr d'où je peux aller pour me casser en vitesse. We can't get near him, so I decided to... well, do a bit of outsourcing. J'y vais. Oh, could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Target down. Well done, 47. Now get off the property. Moi j'y vais franco hein, dès que je peux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh,
Stand by. Nothing here. The purpose here. He has to be. Find him. Copy that. Command, get an area up. Yes, clear. Over. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Je dois aller. Prends-moi la zone de départ. Hein. Man, yeah, I'm here now. All clear. No sign of the perp on the terrace. Over. Enfin, en tout cas, je vous aurais montré que on peut pas avoir. Ça va vite, on a beaucoup d'ennemis dessus. Hein. Ça pardonne pas, c'est pas. Il ne faut pas 10 coups de 10 balles pour tomber. Hein. Ah putain. Il regarde pas, lui il regarde plus. Là il y a un mec que je dois tuer. Et je vais pas m'emmerder. Je vais bien utiliser le flingue à silencieux. Alors prendre l'arme. Ah, je peux me déguiser. Faut que je déplace le corps vite. Allez, ça c'est fait. Maintenant je suis déguisé, normalement ça devrait aller. Moi ça me fait vraiment marrer d'utiliser ces armes, donc si je peux je le fais, hein. je cherche pas l'infiltration 100%. Alors est-ce qu'il me repère? Non. Bon, je vais pas utiliser ça parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Il me faut de nouveau mon petit flingue. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Il y a des gens dans la bagnole, ils vont remarquer là. En même temps, je suis déguisé, hein, mais. Mais hey,
tranquillement. Ah, c'est fun, hein, moi j'aime bien. No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Distraction. Ok, bon. J'aurais pu prendre des grenades, je les ai pas prises, putain. Si je tire là-dedans, hein. You on the right patrol? You're not supposed to be in zone Delta. Don't move a muscle, buddy. Final warning, and I'll be pulling my gun on you, freak. Hey, what kind of outfit do you think that is? J'ai pas un bazooka là pour faire sauter ça, donc ah, les mecs sont trois là, putain. Comment est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Sur la bagnole, ça va les... ça va me faire repérer ou ça va... Putain, il est où mon gros flingue? Allez, hop. On va essayer ça pour faire diversion, mais... pas sûr que ça marche, hein. C'est pas précis pour un saut en plus. J'aurais pu prendre des grenades, hein, c'était faisable, et même des armes de guerre. Il y en avait dans la maison, comme on avait vu. Parce que j'y vais à la bourrine là. Bam bam bam. On va essayer, écoutez. Allez, on se casse, putain. Ouais. Bon, c'est à la bourrine, mais c'est réussi. Ah, c'était excellent. Bien aimé. Même si j'ai pas fait ça d'une manière discrète. C'est évident qu'on pouvait faire des choses plus discrètement. Ouais, j'aurais pu faire plein de choses. Enfin, vous voyez, si vous êtes plus fort que moi, il y a des moyens pour faire les choses bien mieux. Mais enfin... c'était une manière de réussir. Voilà. On va rester là pour cette introduction. Je suis sûr que vous allez faire mieux que moi. À moins que vous aimiez comme moi le bourrinage. C'est aussi une manière d'atteindre l'émission. De réussir l'émission tant qu'on se fait pas tuer. Hein. Allez. Suite au prochain numéro. Salut, ciao ciao.